suis Eric Andreau, technicien en radiologie depuis plus de 33 ans à l'assistance publique, candidat pour le comité d'Aubervilliers du Parti ouvrier indépendant et démocratique dans le cadre des élections législatives. Alors à Aubervilliers, il n'y a pas d'hôpital public, mais il y a un hôpital de proximité sur Saint-Denis, particulièrement fréquenté par la population d'Aubervilliers, qui est menacé. Et donc l'hôpital de La Fontaine, dans un premier temps, perdrait des activités et peut-être pourrait fermer. Dans le cadre des regroupements mis en place par les GHT, qui sont un volet important de la loi Touraine, qui prolonge elle-même la loi Bachelot. J'ai vu les gouvernements de droite comme de gauche se succéder et sans cesse étrangler un cran de plus à chaque fois le budget des hôpitaux, notamment à partir de 2007 avec l'instauration de la tarification à l'activité, la T2A, qui a contraint donc à orienter les directions des hôpitaux sur les activités les plus rentables. J'abrogerai bien sûr la loi Touraine et la loi Bachelot. Alors j'abrogerai la tarification à l'activité, qui oriente l'hôpital public sur une manière de procéder qui correspond plus au privé qu'au public, alors que la demande, évidemment, bien sûr, n'est pas du tout en diminution, elle augmente au contraire.